Mes chers amis de Salzbourg, j'ai rarement le loisir d'écrire du fait que je suis tantôt ici, tantôt là. Après avoir donné à Bruxelles un grand concert présidé par le prince Karl, nous sommes partis avec des chevaux de poste pour 4 jours de voyage vers Paris. L'évêque de Malines a offert des dentelles néerlandaises et des manteaux pour tous les jours à ma fille, et 2 magnifiques dagues à Wolfgang. Quiconque n'a fait ce genre de voyage ne peut s'imaginer tout ce qui est nécessaire, et cela dure depuis bientôt 3 ans. Il faut toujours avoir la main au gousset et les 5 sens bien en place, afin d'avoir un plan continu plusieurs mois à l'avance. Nous avons subi de grosses chutes de neige, et le froid augmente d'heure en heure. Il me semble d'autant plus pénétrant qu'il ne gèle que peu de temps le matin de bonne heure, et que le froid est ensuite extraordinairement humide. Le trajet coûte énormément d'argent, et les récompenses sont souvent décevantes. Le prince Karl nous a fait attendre plus de 3 semaines, car monsieur le prince ne fait que chasser, baffrer et boire comme un trou, pour finalement nous annoncer que nous n'aurions pas un sou. Les enfants pourraient ouvrir un commerce avec les tabatières et les études de toutes sortes qu'ils ont amassées partout. Wolfgang et Nannerl mettent tout le monde en émoi. Que ce soit les cours royales ou de simples soldats, ils sont saisis d'émerveillement et éprouvent un plaisir indescriptible à les entendre. Je dois parfois menacer mes enfants pour qu'ils travaillent encore et encore. Tant pis pour le roi de France. S'ils devaient s'adonner à l'oisiveté pour la seule raison que l'un gêne l'autre, tout l'édifice s'écroulerait. La vie est si courte. La jeunesse passe comme une course de lévrier. Chaque instant perdu l'est à jamais. Plus on approche de Paris, plus le paysage est beau, car on voit de nombreux châteaux sur le bord de notre route. Quand il fait plus doux, on aperçoit quelques paysans avec des manchons de fourrure. Wolfgang est extrêmement gai et un peu polisson. Quant à Nannerl, elle joue si bien que tout le monde parle d'elle et admire sa virtuosité. Je dois conclure ma lettre. Excusez sans la confusion. Je dois écrire les choses comme elles me viennent à l'esprit. Ma femme et mes enfants, qui sont tous en bonne santé, grâce à Dieu, vous font leurs compliments, ainsi que leur père, Léopold Mozart. Allô? C'est les cieux. Cassé? Fendu. On est coincé. Ah, pas question. Faut marcher. Marcher? Où? Comment? À débloquer la roue. Marcher au pas jusqu'au prochain village. Papa, vite, on a froid. Un essieu s'est cassé. Il va falloir avancer au pas. Mais comment on va faire? On n'est pas loin d'une abbaye. Allez. C'était interdit de toucher un violon. Quand j'avais son âge, j'excellais au violon. Pourquoi me l'interdire tout à coup? Tu sais très bien que ce n'est pas un instrument pour une jeune fille. Ton père te le répète sans arrêt. L'orgue et le violon sont interdits aux filles. T'as demandé ton avis? Nannerl, l'arrête, s'il te plaît. Tout va très bien. Nous avons une vie heureuse. Les cours européennes nous attendent. Les rois et les reines se battent pour nous recevoir à leur table. Merci. Notre ordre est totalement féminin. Et nous ne pouvons accepter la présence des hommes qu'à titre exceptionnel. Je dois refaire à neuf les 2 roues et l'essieu avant, ma mère. Nous avons traversé des routes pavées. Imaginez combien une route pavée peut endommager les voitures, et particulièrement les ferrures.
Au-delà de 2 ou 3 jours, je serai dans l'obligation de vous demander de partir. Je suis sûr qu'après 2 nuits, nous pourrons nous en aller. En attendant, puis-je me permettre de vous demander une faveur? Encore une? Nous sommes une famille de musiciens. Mes enfants doivent présenter un concert à la cour de Versailles dans les prochains jours. Si je pouvais installer notre clavicorde de voyage... Dans une petite pièce à l'écart, par exemple? Dans la maison attenante à l'abbaye, nous avons des invités de marque qui sont très entourés. Elles ont auprès d'elles des maîtres de musique. Je pourrais vous en présenter, hein? Des maîtres de musique? Vous êtes un grand musicien, monsieur. Non, c'est mon fils qui l'a composé. C'est mademoiselle 6e, 5e et dernière. Les filles de Sa Majesté Louis XV. Sophie, c'est graille à cause de sa voix. Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Chante, Sophie. Oui, chante. Et Louis, c'est chiffre. Chiffre? Oui, chiffre, comme un petit chiffon. Et vous, comment vous appelle-t-on? Mariana. Mais mon surnom est Nanerle. Nanerle? Nanerle, c'est très joli, Nanerle. Mais je vous appellerai Nana. Nana? Oui, Nana, petite Nanerle. Thank you.
Surtout ne transformez pas en respect cette belle amitié qui est en train de naître. Je me crois dans un conte de fées. Quel âge avez-vous ? 14. Presque 15. J'ai 13 ans. Le jour de mon anniversaire, maman Abbess m'a retiré tous mes jouets. C'est la tradition quand on atteint cet âge. Je suis triste, j'aimais tellement mes poupées. Mais je n'ai pas pleuré. Je me dois d'être exemplaire. Je suis plus jeune que vous d'une bonne année. Vous avez l'âge de Victoire. Je ne sais pas comment ce livre lui est tombé entre les mains. Une œuvre du diable, sans doute. Quel livre ? Un livre plein de blasphèmes. Il raconte des pratiques condamnées par l'Église. Des choses de l'amour, mais décrites en toute indécence. L'abbesse lui avait confisqué, mais j'ai vu qu'elle le cachait derrière le placard. Et je l'ai repris à la demande de Victoire. Pleurer. Non, je prie. Je suis si heureuse d'avoir une amie. Pourquoi vivez-vous dans cette abbaye ? C'est à cause du cardinal. Je ne sais pas si je dois tout raconter. Maman Abbess nous assure qu'il y a une petite fenêtre ouverte dans notre cœur d'enfant et qu'elle peut tout y voir. On ne peut pas lui mentir. Mais je ne la crois pas. Allez vous coucher. Tout de suite! Si, il est presque minuit. Elles sont combien les filles du roi de France ? 6, 7, 8 ? 7, je crois. Où est la première ? La deuxième, jusqu'à 3. Elles sont à la cour. Mais pourquoi elles sont enfermées ici ? Elles sautaient comme des furies sur tous les garçons de Versailles. Bah voilà. Allez ! Tu es fou ! Aïe ! Oh ! Pardon, papa ? Encore au pied. Je pourrais hurler, là. Tu as hurlé, papa. Bon, allez, couchez-vous. Allez, ouf! Pourquoi je ne suis pas dans ma maison? Ma chambre à coucher. Mes oiseaux qui chantent au printemps. La neige lourde sur les branches nues. L'hiver. Maman poète. J'ai envie de pisser. Je suis amie avec la fille du roi de France. Il faut le chanter. Chut. J'ai promis la discrétion à la vieille abbesse. La vieille abbesse a un faible pour papa. Allons.
t'es vide, hein. Elle n'a jamais vu le loup. Nanerle. Qu'est-ce que ça veut dire, le loup? Jamais un loup ne l'a demandé en mariage, c'est pourquoi elle prie Dieu sans arrêt. C'est qui, le loup? Wolfie, si tu n'arrêtes pas immédiatement, je crie. Et moi, je te punis. Ça chante sur demande. Tu vois pas le dos? Ça se passe pas, c'est pas un chien. Il y a des années, monsieur le cardinal a proposé de ne conserver à la cour que nos deux sœurs aînées, les jumelles Marie-Sophie et Elisabeth et Anne-Henriette. Et les filles suivantes devaient venir dans cette abbaye. L'emprise de son éminence était si forte que papa roi et maman reine ont accepté, le cœur gros. Après 13 jours de route, nous avons été accueillis ici. Nous aimons beaucoup maman abbesse. Elle a sous ses ordres les moines et les moniales de tous les couvents qui entourent l'abbaye. Mais vous n'avez jamais revu vos parents? Jamais. Je m'en souviens pas, j'étais trop petite. Il y a un an, le roi a fait peindre nos visages pour en faire cadeau à la reine. Elle a, paraît-il, pleuré en découvrant les peintures, mais jamais elle n'est venue nous voir en vrai. Heureusement qu'ici, certaines sœurs nous aiment et nous leur rendons bien. Mais rien ne vaut les vrais parents, n'est-ce pas? Ah, si nous étions nés dans une famille comme la vôtre, seulement préoccupée par la musique, traversant toute l'Europe en carriole, prête à toutes les aventures. Vous me trouvez gentil? Très. On m'appelle le commandant Jordan depuis que je suis toute petite. Je suis autoritaire, mais juste. Connaissez-vous l'amour? L'amour? Oui, êtes-vous amoureuse? Oui. Non, enfin, je ne sais pas. Je me consume pour lui. Il s'appelle Hugues Le Tourneur. C'est le fils du maître de musique dont je vous ai parlé. Hugues a accompagné son père. Il est resté dans cette abbaye plusieurs semaines. Puis il est rentré à Versailles. Nous nous sommes tout de suite aimés. Mais la vie nous sépare. Et ma condition. Vous irez à la cour. Je veux que vous lui remettiez cette lettre. Je lui dis à quel point je l'aime encore et que notre différence sociale n'entravera jamais la promesse que je lui ai faite de me garder pour lui. Je vous remets aussi cela. C'est le livre de victoire. Le livre maudit. Emportez-le hors d'ici. Perdez-le dans la forêt ou jetez-le au feu. Il y va de son honneur perdu à jamais si le roi l'apprenait. Vous le voulez bien? Thank you.
éplucher les oranges plutôt que de me douter qu'elles étaient rangées là. Que j'aimerais. Il sera jeune et beau. Il aimera la musique, évidemment. Mais plus que tout, c'est toi qu'il aimera. Vous serez attirés l'un par l'autre. Vous vous marierez devant Dieu. Dans une robe magnifique. Pleine de sang. Mais non, voyons. Bienvenue à vous et à votre famille. Merci, nous sommes formés. Voici vos appartements. Papa, j'ai soif. Méfiez-vous de l'eau parisienne. Elle vient de la Seine. Si vous ne la faites pas bouillir, elle vous rendra malade. Le pays est en deuil depuis la mort de la dauphine. La pauvre n'a pas survécu à la naissance de sa fille. Donc si vous prétendez aller à Versailles,
Il faudra vous munir d'un habit noir. Je mets à votre disposition le clavecin de mon mari. Feu, le comte Vanek. Il aimait tant en jouer. Caterle. Louise. Barbara. Maria. Que sont-elles devenues? Je n'ai même pas le droit de leur écrire. Papa dit que ça coûte trop cher. Tu sais même pas écrire. Et toi, tu connais que la musique. Dis que tu es génial, mais en réalité, t'es un imbécile. Où sont passées mes poupées en tissu? Mes poupées en bois? Mes poussettes, mes petits berceaux? Je suis devenue grande. Tellement grande. Venez les enfants. Quoi? Maman, réponds! C'est incroyable! Au secours, c'est froid maintenant! C'est bien? Ne la bois pas! La boire? Je peux le faire, papa? Non, moi! J'ai vraiment envie! Chacun son tour, ne soyez pas ridicule. Ça réveille, surtout l'eau froide, hein? À moi! Non, moi d'abord! Fais attention, c'est chaud et froid. Ne va pas brûler ton petit oiseau.
crois en effet qu'un concert s'impose et qu'il plaira au roi. Mais il nous faut tout organiser ensemble. Quatre sonates de mon fils, mon cher le graveur. Et l'on verra sur la page titre que c'est l'œuvre d'un enfant de 10 ans. J'ai presque 12 ans. Vous entendrez comme ces sonates sont bonnes. Et votre fille ? Ma fille joue les morceaux les plus difficiles que nous ayons trouvés, de Schaubert et de Eckert. Je m'amuse aussi à lui composer des musiques des plus compliquées qu'elle interprète avec une précision extraordinaire. La comtesse de Tassé, ayant eu connaissance de sa présence ici par Madame Dernière, Mademoiselle Maria Anna Mozart est invitée à me suivre pour la rejoindre dans son salon afin de satisfaire à sa demande d'un entretien particulier. Je vous en prie. Non, non, non. Il faut faire vite. Louise de France exige que vous donniez la lettre en main propre. Vous allez mettre ce costume. Vous devez passer pour un garçon. Hugues est dans les appartements du dauphin, et celui-ci est en plein veuvage. Aucune fille étrangère n'est autorisée à l'approcher. Alors. Je vais voir le dauphin de France ? Oui, si vous pouviez le faire sourire. Mais attention, tenez bien votre rôle. Ni l'un ni l'autre ne doit découvrir le poteau rose. Il y va de l'équilibre du royaume. Vous avez la lettre ? Oui, je l'ai. Voici Hugues le Tourneur, c'est à lui qu'est adressée la lettre que vous tenez de Louise de France. Pardon. Je vous remercie de nous rendre ce service. Si vous le permettez. Je vais me retirer afin d'en prendre connaissance et je reviendrai vous donner une réponse. Oui, retirez-vous. Je vais rester avec monsieur. Vous avez été très bien. J'ai eu tellement peur d'être démasquée. Le dauphin m'a intimidée. Ne soyez pas surprise par son attitude. Il est lui-même timide et silencieux. La douleur qui l'habite le rend encore plus lointain. Laissez-nous un moment, Isabelle. Je désire m'entretenir avec lui à propos de ma sœur. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Louise ? Je traversais une forêt en voiture avec ma famille, il y a quelques semaines. Un essieu s'est cassé. Il nous a fallu demander secours à l'abbaye voisine. Et vous avez rencontré les princesses de France. Vous en jouez ? Oui, monseigneur. Clavecin ? Oui. Violon aussi. Je connaissais bien le morceau que vous jouiez tout à l'heure.
Pourriez-vous le jouer mieux que moi? Je ne sais pas. Je le jouerai, c'est tout. Alors allez-y. Vous m'accompagnez? Non. Seul. Qui vous a appris à si bien jouer? Mon père. Bravo à lui. Mon père a toujours affirmé que seul un garçon pouvait bien jouer du violon. Ne croyez pas si bien dire. Et savez-vous chanter? Si je sais chanter? Oui. Connaissez-vous le Miserere mei Deus d'Allegri? Bien sûr. Sauriez-vous vous rapprocher de l'une des notes les plus élevées jamais écrites sur une partition? Un do magique, brillant. Pur comme le cristal, ce cri déchirant et obsédant de l'âme. Comment ma chère sœur Louise n'est-elle pas tombée amoureuse de vous? Parce que Hugues le Tourneur est dans son cœur et qu'elle est constante et fidèle. De ce fait, nous sommes tout de suite devenus des amis. J'aime jouer du clavecin ou du violon. Et j'aime chanter aussi. Mon rêve, c'est écrire de la musique. Je m'y essaye parfois, mais je suis maladroit et je manque de technique. Voulez-vous essayer pour moi? Écrire de la musique? Oui. Composer, inventer votre musique. Vous aimeriez? Oui, je ne sais pas. Si des circonstances exceptionnelles me l'imposaient. Considérez notre rencontre comme une circonstance exceptionnelle. Et écrivez pour moi. Ma chère sœur Louise, que je ne connais qu'à travers un tableau. On l'a dit turbulente. Et qu'elle saisit bien tous les ridicules. J'ai hâte de la connaître enfin. Elle a bien de la chance de vous avoir pour ami. Je déteste ma timidité. Je suis transi, déconcerté par les hommes. C'est parce que souvent, les hommes ne sont plus devant moi que des personnages de tapisserie, des pantins que je ne fais remuer que par ressort. Mais ce n'est pas votre cas. D'où venez-vous ? Salzbourg. Je ne connais pas les hommes. Je n'ai pas cette science. Pourtant, je me considère très instruit. J'ai tout étudié, droit public, histoire, belles lettres. Mon excellente mémoire a retenu ce que chaque livre contient de bon. Mais l'homme m'échappe. Je ne le rencontre pas. Pourtant, j'éprouve naturellement de la sympathie pour vous. Isabelle, veuillez à soigner votre rôle de messagère. Faites-moi porter une musique de votre composition. De ma composition? Oui. Je
J'aurai grand plaisir à la découvrir. Et quelle heure? L'heure de dormir encore. Je peux rester près de toi? Dans quelques minutes et tu retournes au lit. Tu écris bien. Ton écriture est belle. Tout le monde à Paris donne les nouveau-nés à élever à la campagne. Des conductrices les amènent loin de Paris. Le nom de la nourrice, ou plutôt du paysan et de sa femme, sont notés par le prêtre du coin. Cela se fait chez les personnes de haut rang, comme dans les classes les plus basses, l'on paye une bagatelle. Tu m'as jamais appris à écrire comme ça? Papa. Va te coucher maintenant. Je n'ai plus sommeil. Je voulais te demander une chose. Est-ce que tu me permettrais d'assister au cours de composition que tu donnes à Wolfgang? Tu vois, comment dire, j'entends des notes. Des notes à moi. Elles résonnent dans ma tête. Mais je ne sais pas comment les inscrire. Je ne connais pas les règles et toi qui m'as tout appris, je suis sûre que tu pourrais m'aider à comprendre ce mystère. Ma pauvre chérie, il faut connaître les secrets de l'harmonie et du contrepoint. Or, c'est inaccessible à beaucoup de monde, particulièrement aux femmes. Je me souviens la première fois que Wolfgang a composé quelque chose. Il avait 5 ans peut-être. À sa demande, je l'ai bien trempé sa plume dans l'encrier. Et j'ai entendu des notes. Des notes toutes neuves, qui n'avaient jamais servi. Elles ne venaient pas de mon souvenir. Et j'ai aidé Wolfi à les écrire. Quand il t'a montré la portée, tu étais avec ton ami Andreas. Vous étiez stupéfaits tous les deux. Tu en as même pleuré d'émotion. Tu veux dire que c'est toi qui les avais écrites? Oui. Presque. En partie, je ne sais plus. Oui, je crois. Et ensuite, plus tard, j'ai écrit des sonates. Tu n'as jamais daigné les entendre ou les lire. Faux, je les ai lus. Ce que tu appelles sonate n'est en réalité qu'une suite incohérente de notes absurdes. Comment peux-tu dire cela? Tu n'en as jamais parlé. Va-t'en coucher, s'il te plaît, Nana.
Du latin punctus contra punctum. Note contre note. Le contrepoint. Qui s'applique à l'écriture à plusieurs parties et à deux dimensions. La dimension mélodique ou horizontale et la dimension harmonique ou verticale. Voilà. Qui tiennent toutes deux compte de la notion de consonance. Tu as mis un œuf ? Oui. Il a gigoté toute la nuit. Regarde son visage, il est tout déformé. Mon Dieu, il est méconnaissable. J'ai joué votre musique dès que je l'ai reçue. Elle m'a transporté, intimement séduit par votre monde créatif. Quelle beauté, quelle pureté. Ainsi, c'est vous qui écrivez cela. Vous, déjà chanteur hors du commun, qui trouvez ces notes et me les dédiez. Je l'ai fait écouter à Corignon, mon maître de musique. Pour lui, il ne peut s'agir de la composition d'un tout jeune homme, presque encore un enfant. Si je n'avais pas une totale confiance en vous, il m'obligerait à penser qu'il s'agit du plagiat d'un musicien aguerri. Mais je sais que c'est vous. Je vois votre main tremblante écrire ces notes et me les dédier. Venez me retrouver dès qu'Isabelle vous fera signe. Ma chère Louise, j'ai bien tardé à vous écrire, car à peine installée à Paris,
Mon frère, Wolfgang, fut soudain pris de malaise qui le mirent en peu de temps en un état si misérable qu'il fut absolument méconnaissable. Des taches rouges, grosses et nombreuses, se sont étalées sur son petit visage. Mais il s'est enfin rétabli, et mon père semble avoir retrouvé la joie de vivre. J'ai donné votre lettre à Hugues Le Tourneur, en main propre, comme vous l'aviez ordonné, et en présence de votre frère, le dauphin. Hugues s'est dit honoré de votre lettre et désire vous répondre directement. Vous parlerai-je de la parfaite beauté de votre frère, le dauphin, qui est la moindre de ses perfections. Toujours est-il que je n'ai vu de ma vie plus admirable figure et physionomie plus attrayante. Voici mes appartements privés. Des nuits, je rêve que je cours en robe de chambre dans l'escalier de Sa Majesté, en criant « Le roi, le roi !» Je convoque des gardes du corps, j'entraîne une sentinelle qui résiste, et nous assistons à la venue de l'enfant royal. L'accoucheur lève l'enfant. C'est un garçon. La reine arrive trop tard. Un Suisse à la tête ébouriffée, hérissée de papillotes, fonce à Trianon en criant « Un garçon ! Un garçon !» Le roi est si ému qu'il se trouve mal. Quand il arrive au palais, le cardinal en doit déjà l'enfant. Louis XV l'examine. Elle ressemble à sa mère comme deux gouttes d'eau, méchante comme un petit dragon. Elle se retourne contre le sein maternel et le mord de son venin mortel. La dauphine expire et je me réveille en sursaut. Alors, je m'aperçois que la réalité ressemble à mon cauchemar. Je suis veuf, inconsolable. Père d'une petite fille de quelques jours. Comment s'appelle-t-elle ? Marie Zéphirine. Corignon m'a dit qu'une famille allait donner un étrange concert bientôt à la cour. Et il a entendu un violoniste étonnant, âgé de seulement 10 ans. Sa sœur joue du clavecin divinement, paraît-il. Et sa voix est d'or. Voudriez-vous assister à ce concert ? J'y serai certainement, car les morceaux choisis ont obligation de convenir à mon deuil. Qu'avez-vous ? Je me dois de vous avouer quelque chose de très grave. De grave ? Oui. J'ai peur de vous décevoir, mais sachez que mon mensonge m'a été imposé. Quel mensonge ? On m'a obligé à dissimuler ma véritable identité. Et surtout... Surtout ? En réalité, je suis la jeune fille à la voix d'or dont on vous a parlé. Et l'enfant prodige est mon frère. Nos parents nous mènent ainsi dans les cours d'Europe pour étonner le monde car mon père est avide de gloire. J'ai honte, honte d'avoir menti. Pardon si je vous ai déçu. Vous voulez que je prenne congé de vous ? Profitons encore un peu de cette délicieuse méprise. Allez mettre vos vêtements féminins. Je vous ferai visiter les merveilles de notre château.
c'est ici. Dans le lieu le plus public du royaume que nous passons inaperçus. Vous avez peur? La peur incite à la joie, pour la conjurer. C'est quand j'accompagnais le roi au comte de Compiègne que je me pris d'amitié pour deux jeunes officiers. Après une journée de combat, nous nous amusions à jeter le mouchoir sur les plus jolies femmes. Jeter le mouchoir? Oui. Il s'agit là d'un moyen simple et évident pour faire comprendre à une femme qui s'intéresse à vous qu'elle vous plaît infiniment et qu'il ne tient qu'à elle. Qu'il ne tient qu'à elle? Vous ne comprenez donc pas? Qu'elle devienne votre maîtresse? Oui. Vous voyez, on dit que je suis le vivant contraste de mon père en matière de femme. Et si tout cela était faux, la dévotion n'abolit pas la tentation. L'image féminine me ravit. Trouvez-vous pas que je suis un garçon assez bien nourri? D'où viens-tu? Où étais-tu? Je m'entretenais avec le dauphin. Pourquoi si tard? Je n'ai pas osé interrompre son discours. Et comment es-tu rentrée? Isabelle d'Aubusson m'a fait reconduire par une voiture. Tu es complètement folle, tu sais l'heure qu'il est? Je n'ai pas fait attention. Est-ce que tu comprends que j'étais morte d'inquiétude? Il faut que je vous gronde, ma chère Nana. Vous me mettez dans votre lettre un très humble que je déteste et qui me ferait croire, si je ne vous connaissais pas, que vous ne m'aimez que comme on aime les grands, ordinairement, et non de cœur. Je suis votre fif, un point c'est tout. J'ai en effet reçu une douce lettre de Hugues le Tourneur. Et mon frère m'a fait part de ses excellentes impressions à votre égard. Je brûle de le connaître enfin, ainsi que toute ma famille royale. Je vous adresse tous mes vœux de réussite dans votre incroyable aventure musicale. Et je reste votre tendre et fidèle amie, Louise de France. C'est un enfant musicien? Oui, le petit Thomas. Thomas? C'est un Anglais. Il a l'âge de votre fils. Taisez-vous, laissez-moi écouter. Médiocre. Tu es sûr? Appliqué, sans âme. Une mécanique. Permettez-moi de vous présenter les enfants Mozart. La fillette, âgée de 14 ans, et le garçon, 10 ans à peine. Ils vont exécuter non seulement des concertos au clavecin, mais le garçonnet jouera également un concerto au violon. Pour les morceaux au clavecin,
Le clavier sera entièrement recouvert d'un drap. Il frappera les notes au-dessus du drap et pas en dessous. Puis il nommera à distance tous les sons, seuls ou en accord, attaqués au clavecin ou sur tout autre instrument imaginable. Cloche, verre, etc. Tellement fier, le fils du roi de France, futur roi de France, lui-même m'a baisé la main. Il m'a regardé longtemps. Il m'a souri tout en gardant ma main dans la sienne. Et il m'a dit quelques mots délicieux de sa voix suave. Et c'est moi, Anna Maria, orpheline sans dot, épousée par un saint amant qui ait eu ce privilège. Voyons, maman. Non, je ne me calmerai pas, je suis littéralement folle de joie. Je suis fière de vous, mes enfants, de votre grand talent. Pardon pour la gifle, ma chérie. Et vous, mon maître et mon mari, sachez que je vous admire aussi profondément que je vous aime. Si ma pauvre mère était encore en vie, elle en mourrait de joie. Qu'est-ce qu'on m'a promis? Pas de désordre, s'il vous plaît. Non, Léopold! Non, j'ai mal aux pieds, je suis de mauvaise humeur. Dieu! Non, votre fils, s'il te plaît, c'est ma place. C'est moi à droite. Papa, j'ai presque 15 ans. J'en parais 16 et tu dis toujours que j'en ai 14. Et moi, j'en ai 11, papa. Ouais, taisez-vous, les chiens savants. Famille désordre. Vous avez joué comme des pieds. On en reparlera demain. Monseigneur, mes parents ont décidé de poursuivre notre tournée. J'espérais avoir le plaisir de vous revoir avant notre départ pour Londres. Qui sait quand je reviendrai? Peut-être dans quelques semaines, peut-être jamais. J'avais tant de raisons d'aimer Paris et notre rencontre en est la principale. Croyez en mes sentiments respectueux et attristés. Je continuerai à écrire de la musique en pensant à vous. Nannerl Mozart. Nannerl, s'il te plaît.
Merci, mon garçon. Combien de temps pour arriver à Londres ? 12 heures de traversée au départ de Calais. Ta fille a encore écrit de la musique aujourd'hui. Je le lui ai interdit cependant. C'est plus fort qu'elle. J'ai appris l'effort et la discipline à nos enfants. Et toi, tu apprécies sa manie et son idée fixe. Anna Maria, voyons. Tu m'aides à nous débarrasser de cette envie qui enfièvre son esprit. Dis-moi plutôt si ta fille a du talent. J'en doutais. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Une lettre est arrivée par la petite poste ce matin. Elle vous est adressée. Merci, madame. Chère Maria Anna, douce Nannerl, je vous croyais partie et je vous ai revenue.
Je ne peux pas encore vous revoir, mais je vous fais la commande officielle d'un menuet pour violon et orchestre. Écrivez-le dès que vous pouvez, et prévenez-moi dès qu'il sera prêt. Je le ferai prendre par une suivante, et le temps de l'étudier, je vous ferai signe dès que possible. Je vous demande de vous laisser aller à votre extraordinaire aptitude et de me donner la preuve que vous dépassez les plus grands compositeurs de notre royaume. Relevez le défi et gagnons notre pari. Je vous baise les mains et suis votre toujours fidèle et attentif ami, Louis de France. Prenez-en soin. Je file. Encore une fois ? Aussi vite ? Oui. Bien, je propose qu'on arrête ici. Nous reprendrons la suite la prochaine fois. Déjà ? Oui. Je suis désolée. Je suis bien à l'Académie de musique. Non, ici c'est peinture et dessin. Ce n'est pas ouvert aux femmes. Sauf quand il s'agit de poser. Vous poseriez pour nous. Nous étudions la morphologie. Nous attaquons le corps féminin. Messieurs, le cours va commencer. Qui importe le plus chez le créateur, c'est l'élan qui transfigure les pensées et les passions humaines. Si le compositeur n'est qu'un virtuose de l'écriture, il n'atteindra pas à la véritable beauté. Sa pensée ne sera pas à la hauteur de sa création. Malheur au créateur qui n'est pas animé par la passion.
comprendrez pourquoi je vous ai demandé de revêtir à nouveau vos habits d'homme. Je suis si heureuse de vous voir. Monsieur, permettez-moi de vous féliciter pour votre grand talent. Isabelle d'Aubusson m'a remis votre partition et j'ai eu grand plaisir à la déchiffrer. Vous vous moquez de moi ? Non, Nannerl. Votre musique n'a cessé de me hanter depuis la première note. Porte ! Ce que je craignais est arrivé. Le roi a tranché. J'épouse en secondes noces Marie-Joseph de Saxe, jeune princesse âgée de 15 ans. Le mariage aura lieu bientôt, vous le saurez. Je suis désespéré, malheureux. Je vous prie de vous rendre au Carmel de Saint-Denis. Une personne qui vous est chère souhaite votre visite.
Ne soyez pas étonnés ni impressionnés par ce que vous découvrez. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Je suis en joie avec le Christ. J'ai toujours été d'une grande piété malgré mes espiègleries. Mais rassurez-vous, je suis toujours la petite juive que vous avez connue. Mais vous ? Ma famille continue sa tournée, je suis restée à Paris. Je donne des cours de clavier et j'apprends la composition musicale. Mon frère m'a demandé d'intervenir auprès de vous. Ah ? Il connaît notre amitié. Il vous demande de l'oublier. Ma pauvre Nana. Sa foi est profonde, mais son esprit est agité. Il a peur de ressembler à son père et de sombrer dans la débauche. Il faut l'aider à retrouver la tranquillité. Vous, en vous écartant de lui, et moi en priant. Je prie aussi pour le roi. Papa Roy a autorisé mon entrée dans les ordres, ici au Carmélite de Saint-Denis, pas très loin du royaume. J'ai revêtu le petit habit de postulante. Il ressemble à celui des novices. Et Hugues le tourneur ? Dieu m'a fait savoir que le diable se cachait derrière le jeune homme que je croyais aimer. Le diable ? En réalité, Hugues est mon demi-frère. C'est un bâtard du roi que mon père tenait au secret comme tant d'autres. Il fallait déjouer le mal et me mettre sous la protection du Seigneur. L'amour ardent pour mon père est ce qui a déterminé mon entrée en religion. Comme j'ai eu plaisir à vous revoir. Ton père a été pris soudain d'un rhumatisme à la cuisse à le faire grimacer de douleur. Il a passé 4 nuits sans fermer l'œil et les journées n'étaient guère mieux. Je t'embrasse, mais seulement une fois, puisque tu n'écris pas. Je suis heureux de tout mon cul à l'idée que tu t'amuses effroyablement. J'envoie 100 baisers, petits et gros, sur ton merveilleux visage de cheval. Est-ce que tu joues du clavecin avec application ? Chantes-tu encore parfois ? Nous séjournons à l'Auberge Rouge de Valenciennes. Nous sommes proches de Paris. Je croyais que j'allais plus jamais vous revoir. Tu es trempée. Viens, ma chérie. Viens vite te réchauffer. Qu'est-ce que tu fais là ? Je veux rester avec vous. Ne le gronde pas, s'il te plaît. Papa. Je ne veux plus jamais vous quitter. T'es revenu, Daniel ? Thank you.
t'appelle, Edorbien. Je suis là. Divigestio sexto, vesperi, ei venae section antiquimus. Aegra talibus, doloribus repressa est ut, et latus compare non posat. Permettez, numquam de peccatae similante, abstridente dixistis. La situation est peut-être moins grave que vous l'imaginiez. Il souffre sans aucun doute d'un extraordinaire engorgement des muqueuses. Je lui interdis donc l'eau de seltz qui a dû lui causer sa relaxation universalis et le lait. Fatigue moins que de me reposer. Entrez, vous êtes chez vous. Nous repartons dès après-demain. Déjà ? Beaucoup de choses à vous expliquer. Avec grand plaisir. On m'a informé de votre passage à Paris. Je désire vous revoir. Je vous invite à une petite réception que j'organise dans mes appartements privés. Isabelle d'Aubusson vous attendra demain à la tombée de la nuit avec votre costume d'homme. Rien n'est impossible au royaume de France. Il n'y a qu'à voir l'exemple de mon père qui m'impose deux mères. La mienne, la reine, que je respecte infiniment. Exemple de dévotion et d'amour familial. Et l'autre, Madame Poisson, la Pompadour, maman putain, qui l'oblige à convoler de maîtresse en maîtresse. Cet homme à femme de bientôt 60 ans. La dernière n'a pas tout à fait votre âge. Marie-Louise O'Murphy, c'est son nom. Elle sort tout droit du parc Auxerre.
sorte de harem du roi, des mains de la Pompadour. Le roi ne s'en cache pas. Il l'a fait poser nue devant son peintre, François Boucher. Le royaume de France est un bel exemple de liberté. N'est-ce pas, Nannerl ? Et vous, vous seriez sans doute prêt à vous jeter dans mes bras. Et nous y prendrions tous les deux un plaisir extrême, car nous nous aimons. C'est ce que vous pensez, Nannerl ? Suivez-moi, Nannerl. Entrez dans mon domaine privé. Je suis environné par la mort, comme mon père avant moi. J'avais un seul frère, mais il est mort lui aussi. Et je suis condamné à vivre, car le royaume ne supporterait pas ma disparition. Alors je m'amuse à mourir. La dauphine, elle aussi, se prête volontiers au jeu. Et nous invitons des amis pour jouer à la mort avec nous. Quand Marie-Joseph nous rejoindra, vous serez encore pour elle ce jeune homme qui m'avait tant plu à notre première rencontre. Et nous lui dirons que vous avez volé mon cœur. C'est le catafalque qu'on a construit à la mort de la première dauphine. J'ai ordonné qu'on le laisse dans cette pièce pour y attendre les prochains morts. J'y ai fait installer un clavecin pour vous exercer. Avez-vous peur des morts ? Non, je ne crois pas. Chaque mort peut devenir un fantôme. Je sais. Et ces fantômes ne vous font pas peur ? Non. Je les connais. Je sais qu'ils existent. Les miens, en tout cas. Ceux de mes frères et sœurs qui ont à peine vécu. Je vais m'allonger dans ce lit de mort. Je vivrai avec vous les derniers instants de notre amour. Peppa. Je suis là, mon bien-aimé. Je te présente Monsieur Koffer, qui se prête volontiers à nos jeux. Allez au clavecin et jouez, improvisez. Demandez, mon ami. Oui, vous êtes la seule à m'apporter votre affectueuse présence qui me touche. Oh, ma chère amie, pardonnez-moi de cette très mauvaise nuit que je vais vous faire passer. Allez vous coucher car vous devez être fatiguée. Non, mon cœur. Mon seul plaisir, c'est de rester auprès de vous. Oh, j'ai tellement peur que mon bavardage vous ennuie. Je m'ennuyais quand je t'ai. Avez-vous entendu ce que j'ai dit ? Oui. Chut. Écoutons cette musique divine. Voulez-vous réciter vos prières dans vos livres de dévotion ? Oui, je les lirai. Retirez-vous. Je vous laisse un moment avec votre musique.
Venez. Asseyez-vous. Baisez-moi le front. Et l'adultère. Sors d'ici. Reprends ta musique impie. Va-t'en d'ici ou je te fais écarteler dans une grotte pour agonir à jamais. Ainsi, à peine à Paris, vous repartez pour Vienne avec votre famille. Vous serez toujours dans mon cœur, ma chère Nana. Même si vous vous éloignez, même si nous ne devions plus jamais nous revoir, j'ai reçu vos confidences. Je comprends votre désarroi. Dieu a voulu que nous soyons des filles, toutes les deux. Imaginez comme nos destins eussent été différents si nous avions été des garçons. Vous seriez votre frère et je serais le mien. Nous régnerions toutes les deux. Vous sur la création et moi sur les hommes. Mais Dieu en a décidé autrement. Vous devez lui obéir en obéissant à votre père. En acceptant ce qu'il vous commande. Je vous serre dans mes bras de tout mon cœur. Je vous donne ma foi. Puissiez-vous atteindre dans le renoncement une joie égale à la mienne, celle d'être aussi près de Dieu. Adieu, mon ami. Tu n'es pas avec eux? Non. Tu as mis ta robe noire? Oui. Tiens, viens m'aider. J'ai acheté de quoi faire un bon repas. Je voulais pas prendre des plats tout préparés, ils ne sont pas bons et c'est cher. Je veux fêter notre dernière soirée à Paris. On allume un feu? Oui. Ma grande chérie, tu es triste de quitter Paris si vite? Tu n'es pas heureuse de rentrer bientôt chez nous? Je ne sais pas. Occupe-toi du feu. Réchauffe-toi. Surveille-le. Je prépare le repas. Ou alors tu viens m'aider. Je n'aime pas faire la cuisine. Je sais. Je ne suis pas une fille comme les autres. Salzbourg, mes amis ne me reconnaîtront pas. Elles seront si différentes, elles aussi.
sans doute de bon parti prêt pour le mariage. Et toi, tu crois que tu n'es pas faite pour le mariage? Mais qui épousera une fille comme moi? Je ne sais que chanter aux joies du clavecin. Travailler, répéter inlassablement aux ordres d'un père professeur, voilà ma vie, depuis que je suis toute petite. Je ne sais rien faire d'autre. Si je continue à t'écouter, ton père va rentrer. Et je n'aurai rien préparé. Pardon, maman. Je t'aime tellement. Je vais t'aider à préparer le repas. Tu vas m'apprendre, il est encore temps. Ma chérie, je n'ai jamais pu me résoudre à me détacher de mes enfants. J'aime mes enfants plus que tout. Je suis condamnée à trembler pour eux, mais je suis récompensée. C'est donc toi qui m'apprends à ne pas être comme les autres? Sans doute. Allume le feu, je vais préparer les assiettes. Tu ne veux pas venir avec nous faire un dernier tour dans Paris? Non, je suis fatiguée. Je vais tout ranger, maman, ne t'inquiète pas. Je suis fière de toi, ma chérie. Wolfie, fais froid dehors, tu n'es pas assez couvert. Mais non, maman. Allez, c'est bon. Je sais bien qu'il ne supporte pas d'avoir des tonnes de vêtements sur le dos. Les clavecinistes et les compositeurs de Vienne se sont ligués contre nous. Ils refusent de reconnaître la science de Wolfgang Arl. Devant tant de mauvaise foi, je vais donner au monde une preuve irréfutable de ton talent. Laquelle, papa? Tu vas écrire un opéra pour le théâtre.
Un opéra? Vous imaginez le bruit que ça va faire. Un garçon de moins de 12 ans, assis à son piano, qui dirige son orchestre. C'est un opéra bouffant. Un opéra bouffant? Mais pas un petit. Il durera 2 ou 3 heures. Ça tournait dans ma tête depuis que Madame Vanek m'en avait parlé. Ah, tu entends, c'est Madame Vanek qui a soufflé l'idée. Sur le moment, nous n'avons pas réagi, toi non plus d'ailleurs, Vajo. Ça m'est revu à cause de cette cabale, qui ne risquerait à rien. Pour mener à bien ce projet, ça passe ou ça casse. Mais pourquoi au théâtre? Quel endroit s'y prête mieux que le théâtre? Qu'est-ce que tu en dis, Wolfgang? Tu es prêt à relever le défi? Allez au travail, monsieur le compositeur. Regarde-le. On entend déjà les notes.